Ce 9 mai 2021, la journée de l'Europe coïncide avec le 71e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, considéré comme l'acte de naissance de ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. L'année 2021 marque également plus d'un demi-siècle depuis la signature du premier accord commercial entre le Maroc et l'Union européenne. Le partenariat historique entre les deux parties passera par plusieurs étapes jusqu'en juin 2019, où la 14e réunion du Conseil d'association Maroc-UE se solde par la déclaration politique conjointe visant à donner une nouvelle impulsion aux relations stratégiques des deux partenaires. Entre-temps est survenue la crise de la Covid, mettant au défi ce partenariat historique. Et en 2021, le nouvel agenda pour la Méditerranée vient remodeler la coopération entre les deux parties. Il intervient au moment où le Maroc lance deux importants chantiers, la protection sociale et la relance économique. Alors, dans quelle mesure les intérêts des deux parties convergent-ils dans le contexte actuel? La réponse avec Claudia Vidal, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, et Anna Baron, la représentante de la Banque européenne d'investissement au Maroc, toutes les deux invitées de l'émission Hewar. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Hewar, où j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Madame Claudia Vidal, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, et Madame Anna Baron, la représentante de la Banque européenne d'investissement au Maroc. Vous l'aurez compris, aujourd'hui le sujet sont les relations entre l'Union européenne et le Maroc et les nouveautés qui vont être enclenchées avec le nouvel agenda pour la Méditerranée. Sans plus attendre, Madame Claudia Vidal, avant de faire un peu le topo sur l'actualité et les nouveautés dans les relations entre le Maroc et l'Union européenne, j'aimerais bien faire avec vous le point sur les actions et l'état d'avancement des points qui figuraient dans la déclaration politique conjointe entre le Maroc et l'Union européenne en juin 2019 et savoir jusqu'à quelle mesure la pandémie a quelque peu chamboulé le planning établi. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être donné à moi et à mon collègue et mon ami de la BEI, donc cette opportunité. C'est un moment important pour nous. Nous avons d'ici deux jours, on a le 9 mai, notre fête européenne, qui est une fête qui sera de nouveau dans un autre environnement, un autre cadre qu'habituellement. Donc c'est une très bonne opportunité, un très bon moment pour faire un petit peu de la revue du passé et aussi quelles sont les perspectives. Donc, vous avez fait référence à la déclaration conjointe du Conseil d'association du juin de 2019, qui reste jusqu'à aujourd'hui, et je crois aussi pour l'avenir, un des documents clés et de référence. Parce que c'était vraiment un document, une caractère, une nature, un document qu'on n'a pas eu avant. Ce n'était pas seulement une déclaration conjointe, qui n'était pas la tradition pour les conseillers d'association. Et donc c'était une pratique qui était nouveau. Ça définit une vision sur des espaces partagés dans des domaines assez importants. Bon, ces déclarations sont toujours un moment important. Ils ont aussi un point de départ parce qu'après c'est la question comment on va opérationnaliser, quel type de suivi on a. On a presque immédiatement commencer à définir quel comité, quel sous-comité référent aussi à des thèmes différents va être mobilisé, parce qu'il y avait aussi une certaine pause dans l'organisation de tous ces comités qui existent sur l'accord d'association que nous avons. Et donc nous avons commencé à structurer ces débats de nouveau. On a eu pas mal d'échanges à ce niveau-là, mais en décembre 2019, on a vu une nouvelle commission qui est arrivée avec une nouvelle équipe présidée par Madame van der Leyen. Et quelques mois après, on a vu, bien sûr, Covid, qui nous a forcé de faire des choses différemment. Qu'est-ce que je peux dire suite à et basé sur la déclaration conjointe et l'arrivée de la nouvelle commission? Il y avait beaucoup d'échanges entre le commissaire, le nouveau commissaire qui était arrivé, qui n'était pas encore si bien au dedans dans ce que nous faisons, avec les ministres marocains, là où il était encore possible physiquement. Mais je dois dire, les contacts ont vraiment été renforcés par la visuelle depuis mars. Il y avait beaucoup d'échanges dans tous les domaines qui sont au cœur de notre déclaration conjointe, ça veut dire au cœur de notre partenariat,
et qui sont aussi qui projettent notre vision pour l'avenir. Alors, on sent quand même que la pandémie, elle a quelque peu réajusté cet agenda, puisque nous avons vu à travers la riposte marocaine et le soutien de l'Union européenne apporté, c'était plus dirigé sur le secteur de la santé, sur la réponse à la pandémie. On a senti quand même une forte présence sur ce plan-là. Bon, tout d'abord, je crois que tout le monde a d'abord dû apprendre comment on travaille pendant cette phase de cette situation en crise, parce que nous n'avions pas eu l'expérience, nous n'étions pas équipés pour le faire, je dois admettre, à ce moment-là. On a travaillé jour et nuit pour avoir la technologie établie pour permettre. Même chose avec nos partenaires ici, nos interlocuteurs marocains qui devaient aussi donc, s'habituer à ça. Je crois que le grand mot dans cette phase Covid, cette crise sanitaire qui a touché le Maroc comme le reste du monde, c'était vraiment une question de solidarité. Dans les premières heures qu'on a réalisé le défi et l'impact potentiel de cette crise, on a bien sûr tout de suite pris un recul et on a dit « Ok, nous avons beaucoup de programmes en cours, un grand programme déjà dans les secteurs sociaux, protection sociale, santé, éducation, c'était toujours des domaines dans lesquels nous étions très forts depuis des années et des années, disons. Donc, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut, accélérer, comment on peut regrouper tout le fonds que nous avons pour appuyer aussi le fonds qui a été créé par Sa Majesté pour lutter le Covid, comment on pouvait être le plus utile possible. Et là, il avait fin mars un échange entre le ministre Bourita et le commissaire Varii, où on s'est mis d'accord de faire un effort pour mobiliser tout ce que nous avons, n'importe dans quel coin, dans quelle poche, dans quelle enveloppe, pour mettre tous à la disposition du Maroc pendant 2020. On a parlé de 450 millions d'euros. Ça nous laissait un petit peu choqués, dans le sens on n'avait aucune idée comment on peut mobiliser, regrouper, réorienter si rapidement. On a réussi, c'était un effort vraiment partagé, conjoint de deux côtés, marocain, européen, pour arriver à ce point. On a réussi à décaisser presque tous dans cette année, et surtout bien sûr dans la santé, dans l'éducation, on a facilité, parce que aussi les enfants ici n'étaient pas équipés, les écoles, pour travailler en distance. Sur les lits, l'équipement pour les hôpitaux, les médicaments et autres choses. Donc c'était, à mon avis, une action, une preuve de cette solidarité, de ce partenariat qui est pas seulement de longue date, on parle toujours, mais aussi actif et réactif si nécessaire. Et en plus, bien sûr, on a s'engagé dans le grand fonds mondial COVAX, dans lequel nous sommes un des plus grands partenaires pour financer. Et bien sûr, on a travaillé aussi avec la BEI, on avait travaillé avec la BIRD pour voir quelles ressources sont encore disponibles mobiliser pour mobiliser immédiatement tout ce qui était possible. Alors justement, sur le plan économique et financier, Madame Anna Barom, je rappelle que vous êtes représentante de la BEI au Maroc. 2020, c'était une année de crise à travers le monde, une des crises les plus sévères qu'on a vécues ces dernières années. Et pourtant, le bilan 2020 de la BEI, on montre quand même un doublement des investissements par rapport à 2019. Pourquoi vous avez tenu à maintenir cet effort? Et la même question, dans quelle mesure la Covid a un peu réorganisé vos priorités? On a vu que vous étiez très présent dans le secteur de la santé. Dans le soutien à la CCG également, la trésorerie aux entreprises, le secteur bancaire. 2020 pour vous, c'était une année exceptionnelle, on va dire? Oui, sans doute. Bon, tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'échanger sur le partenariat Maroc-Union européenne avec une chère amie et collègue Claudia. Et surtout à l'occasion de la Journée de l'Europe, donc, on va dire, l'occasion de commémorer la naissance du projet européen tant qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, oui, tout à fait, l'année 2020 a été une année exceptionnelle et
pour la BEI, et tant que Banque de l'Union européenne. Et nous avons eu une mobilisation exceptionnelle de moyens, donc de compétences, d'expertise, de procédures d'urgence pour faire face sur tout le front à cette pandémie. Et pas que pour faire face à la pandémie, mais faire face aussi à les répercussions économiques et sociales que cette pandémie a amenées. C'est vrai que je tiens à souligner que l'action de la BEI est toujours en ligne avec les priorités nationales, et les priorités du gouvernement du Maroc et aussi avec celles de l'Union européenne et s'inscrit tout à fait dans le cadre du partenariat conjoint que Claudia vient de mentionner. Donc on est Banque de l'Union européenne qui agit dans le cadre de la pandémie dans l'action du Team Europe. Si je dois résumer, c'est quoi la stratégie d'intervention de la BEI au Maroc? Ça se résume, à mon avis, dans trois engagements fondamentaux, qui sont notamment l'appui au capital humain. Et cela, c'est pour promouvoir un développement qui soit plus inclusif et pour réduire, bien évidemment, les disparités territoriales et sociales. Deuxième engagement, c'est celui de la croissance verte, parce que nous, on est aussi la Banque du climat de l'Union européenne. Donc, et ça vient avec la promotion de toute une série de projets qui sont en faveur du climat et de la durabilité environnementale. Et troisième engagement aussi très très important pour nous, c'est la création de la valeur ajoutée. Donc ça veut dire que nous, on travaille en complémentarité avec le secteur privé, avec l'objectif de mobiliser, en fait, de catalyser des ressources privées pour la réalisation des investissements nécessaires au développement du pays. Donc, pour répondre à votre question, vous voyez que nos priorités étaient déjà très en ligne avec les nécessités qui ont été déclenchées par la pandémie. Donc, en fait, c'est que je peux dire que suite à la crise, on s'est mobilisé en urgence. Comme Claudia le disait, c'était vraiment... on s'est mobilisé à partir du mois de mars 2020 et on a mis toute une série de mesures en place, mais on a juste accéléré notre action sur des priorités qui faisaient déjà l'objet d'un cible de notre intervention. Et c'est vrai, on a eu des résultats exceptionnels, on a doublé nos engagements en termes de signature de nouvelles opérations. Et on a multiplié par trois les décaissements sur des lignes qui existaient déjà. Donc, tout ça pour injecter, en fait, de la liquidité dans les systèmes. Et si je peux résumer, en fait, l'action de la BEI face à la crise, on a répondu à des enjeux majeurs. Et le premier était bien évidemment celui de la réponse, de l'appui au système de la santé et pour renforcer la capacité du système sanitaire à faire face à la pandémie. Et le deuxième, c'était l'appui au secteur privé, à l'économie réelle, avec l'injection de la liquidité dans les systèmes pour aider les entreprises, surtout les micro, petites et moyennes entreprises, à faire face à la crise, essayer de garder leur résilience et surtout garder l'emploi. Et à ce sujet, vous avez fait bien évidemment référence à l'opération qu'on a signée avec le ministère des Finances sur la CCG pour augmenter l'offre de garanties bancaires et faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Mais on a aussi deux opérations de microcrédit avec des montants très petits, avec un très fort impact, qui ont permis de répondre à l'exigence des petites, des micro-entrepreneurs qui ont été durement touchés par la crise. Mais permettez peut-être, juste pour conclure, de souligner, c'est que
l'abbaye a fait dans le cadre de la santé, parce que je crois que c'est emblématique de la synergie de la coopération avec l'Union européenne et aussi de l'impact qu'on a eu avec notre action sur la vie des citoyens. Donc, depuis 2006, on soutient d'une façon très active tous les systèmes de santé au Maroc, notamment avec un large programme de réhabilitation, restructuration, équipement de ces hôpitaux dans le Royaume. Dans le cas spécial d'un hôpital, un de ces 16 hôpitaux, c'est l'hôpital Prince Moulay Abdellah à Salé. Grâce à notre intervention, l'hôpital a pu augmenter le nombre de lits de 159 à 250. On a pu améliorer d'une façon très importante les conditions de travail du personnel de santé qui était soumis à une pression très très forte et a été nommé centre régional pour les traitements, pour l'accueil en fait des patients Covid dans toute la région. Ça, donc c'est tombé à point nommé on va dire avec la pandémie. Et ça c'était, comme je le disais, c'est un exemple aussi des synergies très importantes. L'Union européenne est intervenue dans ce projet et c'est plutôt emblématique de l'alignement aussi de nos priorités qui existaient déjà parce que c'est un programme qui est mené depuis 2006. Dans le cadre de ces pandémies. Et ça va, j'imagine, continuer maintenant que le chantier de la protection sociale est mis sur les rails. Alors justement, maintenant qu'on a fait le bilan, ce serait bien aussi de passer à l'année 2021, qui marque quand même un tournant décisif dans la relation de l'Union européenne avec ses partenaires et ses voisins, avec le lancement du nouvel agenda pour la Méditerranée. Donc l'annonce a été faite, les grandes lignes ont été, on va dire, énoncées, mais on aimerait bien savoir davantage sur ces implications, notamment sur les relations entre l'Union européenne et le Maroc. Qu'est-ce que ça change par rapport à un cadre financier pluriannuel normal, puisque comme il y a l'appellation Méditerranée qui a une forte connotation, le degré de concertation aussi avec les partenaires pour avoir on va dire un cadre qui soit le plus concerté possible. Et puis, en attendant maintenant la ventilation des budgets dans le cadre de ce nouvel agenda, est-ce qu'on peut faire le point sur l'état d'avancement des discussions et des actions qui vont être immédiatement enclenchées dès cette année 2021 Comme vous le dites, donc, je crois que 2021, c'est une année importante dans nos relations. On a commencé cette année avec des communications et la communication de l'agenda pour le voisinage sud, le Méditerranée. Ça, c'est vraiment un document clé pour nous ici au Maroc pour les relations. Et je crois que c'est visible de ce document qu'il y avait un long processus de consultation avec des pays de la région dans la formulation. Il y avait plusieurs échanges, par exemple, entre les commissaires, surtout le commissaire en charge du voisinage, avec le ministre marocain. Et il y avait des propositions très concrètes. Il y avait aussi des contributions par écrit, des réflexions conjointes sur la formulation. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que notre contexte dans lequel nous travaillons? Peut-être pour prendre un pas arrière. Important pour nous, c'est que la Commission, avant Covid, a lancé le pacte vert, le Green Deal européen. C'est un document européen pour commencer. Et ce Green Deal, ce pacte vert, était défini en tant que stratégie économique pour l'Union européenne. Bon, suite à la crise Covid, et la Commission a regardé ce document. Il a dit effectivement, c'est une stratégie qui est portée sur la durabilité avec des objectifs climatiques, environnementaux, énergétiques et autres. Ça devient alors notre agenda pour la relance post-Covid. Parce que c'est déjà en 2019, sans anticiper, sans savoir qu'est-ce qui va se passer après, ils ont déjà défini une stratégie qui est définie comme exactement c'est ce qu'il faut avoir pour relancer post-Covid. Donc ça a conforté l'Union européenne dans ses choix, à vrai dire. Donc, absolument.
Donc, ils n'ont pas changé de stratégie, ils gardaient le Green Deal comme il est aujourd'hui. Et l'agenda pour la Méditerranée s'inscrivent dans cette même logique. Donc, il reprend les grands axes aussi des Green Deal européennes, parce que ça touche sur tous les domaines importants pour le développement durable, je dirais, et une résilience des sociétés et de la nature. Des domaines qu'on trouve dans la stratégie pour la Méditerranée sont très proches, sont en principe les mêmes, peut-être définis avec d'autres mots, que ce qu'on avait déjà discuté et arrêté dans la déclaration conjointe 2019. Là, on a parlé des quatre espaces partagés qui touchent exactement sur les mêmes objectifs qu'on retrouve dans la déclaration, dans l'agenda pour la Méditerranée. Et donc, c'était encore plus un confort pour savoir, déjà en 2019, on a eu une vision très claire des défis, des besoins, comment on peut s'orienter. Et donc, cette stratégie, bien que c'est une, je crois, le vrai élément nouveau, c'est ce niveau très élevé de consultation. Et le Maroc a joué un rôle extrêmement actif dans cette consultation avec ses propositions qui se montrent dans ce document, parce que le document vient avec une annexe qui donne des projets phares qui sont considérés comme des projets d'importance particulière. Et qu'ils ont, dans beaucoup de ces domaines de projets phares, le Maroc est mentionné. Donc, je crois que c'est le premier pays dans la liste des pays qui sont impliqués dans la définition et aussi pour l'avenir d'action. Un champ séparé, si vous voulez, c'est bien sûr le cadre pluriannuel de financement. Donc ça, on fait tous les 7 ans, c'est notre façon de travailler. Tous les 7 ans, on définit un cadre de financement qui donne donc les ressources disponibles. C'est une procédure, un processus assez long et pénible, donc avec les États membres, le Conseil, finalement ça passe au Parlement. Donc ça prend du temps et nous ne sommes pas encore là. Il y a de plus en plus des directions, mais nous ne sommes pas encore là. Nous n'avons pas encore un cadre financier clair et défini, qui ne nous empêche pas du tout de commencer à travailler. Baliser le terrain, on va dire. Ça, c'est parce que avant qu'on parle des ressources, on doit parler des priorités. Il y a beaucoup de priorités. On ne peut pas faire tous au même moment et tous au début. Donc, il y a bien sûr aussi une certaine séquence là-dedans. Une chose qui est aussi très importante dans cette stratégie pour la Méditerranée, c'est une touche importante à tout ce qui est investissement au secteur privé. Et donc, notre coopération avec nos partenaires financiers, et bon, la BEI fait partie de nous, c'est notre banque, d'avoir le maximum de ressources, de levier des ressources supplémentaires pour des investissements dans des domaines prioritaires. Donc ça, c'est le travail qui commence déjà, sans savoir exactement quel montant on parle, parce que les priorités ne vont pas changer, parce que les priorités, quand elles sont définies, sont des choses importantes, donc elles ne vont pas être changées en vue de l'enveloppe qu'on va avoir après. On est même déjà en train de formuler des projets très concrets qu'on va lancer déjà avec des clauses suspensives, bien sûr, cette année. Et on va ajuster peut-être les étapes. On doit étaler sur 2-3 ans, dépendant des montants disponibles pour chaque année. Mais l'importance qui est attachée à le financement du secteur privé, donc il y a un fonds pour le développement durable, c'est un fonds d'investissement aussi pour appuyer. Au même moment, on regarde bien sûr et on travaille dans une optique d'appuyer au maximum aussi les priorités qui sont définies dans le fonds Mohamed VI. Pour l'investissement. Mm-hmm. Et là, il y a beaucoup de convergences déjà, mais donc, ce sont des choses qui sont en train, donc regardons les moyens que nous avons, les priorités définies et des projets qui sont déjà proposés et pour un financement, comment on peut harmoniser. Et dernièrement, on a cette philosophie de faire de plus en plus où on peut, en tant que Team Europe, équipe Europe, Team Europe, c'est le mot d'aujourd'hui,
Ça veut dire on voit quels États membres sont intéressés ou quelles initiatives les États membres prennent, où on peut entrer en tant que force harmonisée pour appuyer certains domaines. Donc c'est tout le travail qui est en marche à ce moment-là. Alors moi je reste quand même sur la question de l'économie durable et la question climatique qui reste omniprésente dans les priorités aussi bien de l'Union européenne que du Maroc pour les années à venir. Et je pense particulièrement à la taxe carbone. Si vous permettez, Madame Anna Baron, vous en tant que banque de climat, donc vous êtes au chevet aussi ou à l'écoute du secteur privé, cette taxe carbone peut, entre autres, peut être perçue comme une contrainte, une barrière non tarifaire pour les entreprises exportatrices. Quel sera votre rôle à partir de ce Green Deal et à partir du cadre de partenariat 2021-2027 de soutenir un peu cette dynamique aussi bien qui est institutionnelle d'un côté mais également auprès du secteur privé pour aller justement vers cette économie durable? Alors nous, permettez-moi juste de rappeler qu'on a, nous en tant que Banque du Climat, on a une feuille de route pour les prochaines années, donc qui va guider notre action dans les prochaines années, notamment pour la mise en place du Green Deal de l'Union européenne. Donc c'est une feuille de route qui a été prouvée en 2019 et qui nous donne en fait trois engagements fondamentaux. Le premier est que nous, en tant que banque multilatérale de développement, on est 100% aligné sur l'accord de Paris. Donc, tout projet qui est porté par la BUI doit suivre des trajectoires de développement durable. Deuxième engagement, c'est que 50%, on s'engage à augmenter la partie de nos financements verts à 50%. Donc, on parle de bénéfices, de projets qui donnent un bénéfice en termes aide à la décarbonisation et aide à l'action climatique. Et troisième engagement, ça c'est au niveau plutôt du groupe BUI dans le monde, on s'engage à mobiliser 1 000 milliards d'euros de financement vert d'ici 2030. Donc c'est des engagements qui sont très importants et de notre côté. Du côté de l'Union européenne, bon, aujourd'hui on voit que l'Union européenne est en train de définir un nouvel agenda qui va en fait déterminer les pistes de notre activité future. Et qui est un nouvel agenda qui est très calé sur les économies décarbonées. C'est un agenda, en fait, c'est un peu l'enjeu du Green Deal, d'imposer des contraintes climatiques pour en fait aider les pays partenaires à poursuivre ce parcours de décarbonisation. Donc si si on voit cette taxe carbone, la taxe carbone, donc dans le Green Deal, dans la palette d'instruments du Green Deal, il y a ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce qu'on appelle taxe carbone, qui en fait est un outil pour aider à lutter contre la fuite des émissions carbone et aussi combattre la délocalisation environnementale. La BUI soutient. Alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes, et comme vous le disiez, si on va au-delà de l'impact financier que cet outil va imposer à certains exportateurs, il vaut mieux rappeler que c'est quand même un outil qui est encore en phase de gestation. Donc on attend sa mise en place, je crois, n'est pas attendue avant 2023, si je ne me trompe pas, et aussi ne va pas concerner tous les secteurs, il y aura juste un certain nombre de secteurs qui vont être touchés. Et voilà, donc si on se concentre plutôt sur les opportunités, je vois cette taxe carbone plutôt comme un grand atout pour les industriels nationaux pour se positionner sur le marché marocain. Donc, à mon avis, le Maroc a un fort avantage par rapport à ça, qui est lié à deux raisons principales.
La première raison est que le Maroc a déjà pris un élan par rapport à tout ce qui est production d'énergie propre. Et le deuxième, c'est la proximité géographique du Maroc par rapport à l'Union européenne, et qui va permettre sûrement au Maroc de réduire tous les émissions en fait, liées aux exportations, le bilan énergétique lié aux exportations. Donc la BEI est sans doute prête à aider ce processus de soi-disant de décarbonisation, cet effort qui est mené par le Maroc. Et d'ailleurs, on le fait déjà depuis des années, soit sur le côté de l'offre que sur le côté de la demande. Donc sur le côté des offres, on est intervenu en partenariat avec l'Union européenne sur tout ce qui est la production d'énergie renouvelable par plusieurs sources, éoliennes, hydroélectriques, solaires. Et dans le futur, on espère, dans le cadre du pacte vert aussi, on va s'engager sur l'hydrogène. Et sur le côté de la demande, pour l'énergie, l'efficacité énergétique, donc on a mis en place plusieurs mécanismes d'appui aux opérateurs privés et publics pour augmenter l'efficacité énergétique donc dans le domaine des éclairages publics, des activités menées par des entrepreneurs, dans le domaine du logement social. Donc on va continuer sans doute sur cet parcours d'appui avec un très fort accent sur la mise en place du Green Deal. Mais c'est vrai que, vu l'ampleur des engagements de la BEI en tant que Banque du Climat, et pour combler un peu les déficits en termes d'investissement qui seront nécessaires, qui seront demandés pour se mettre à norme, la BEI est en train d'étudier toute une série de produits qui vont être développés, je crois, d'ici peu, dans le cadre de la mise en place du partenariat vert UE-Maroc. D'accord. Peut-être un mot aussi, en parlant de vos priorités et des actions futures, un mot sur le secteur bancaire. C'est le secteur qui va porter le plus la relance enclenchée en 2021. Est-ce que ça figure également dans vos priorités? Oui, ça a toujours figuré dans nos priorités. Bon, le secteur bancaire, pour nous, appuyer les banques, en fait, c'est un moyen pour appuyer les petites et moyennes entreprises. En fait, les banques sont nos partenaires dans notre effort de soutenir le secteur privé. On a maintenant des partenariats en place déjà avec la plupart, je dirais, des banques marocaines de la place dans plusieurs secteurs. Avec une variété d'instruments financiers qui est très diversifiée, qui va du microcrédit à la dette, à la fourniture des garanties bancaires. Et par exemple, si on regarde notre bilan 2020, 60% de notre appui, c'était dédié au secteur privé. Et d'ailleurs, ça représente aussi encore une priorité cette année. On va finaliser d'ici peu, dans le cadre de l'initiative Team Europe, un autre partenariat avec une autre banque commerciale pour appuyer et pour faciliter l'accès au financement bancaire pour les petites et moyennes entreprises. C'est quelque chose qui va être finalisé dans les prochains jours. D'accord. Alors, il y a aussi l'un des chantiers phares annoncés au Maroc, c'est celui du chantier de lancement de la protection sociale. Il y a eu récemment un échange avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec le commissaire au voisinage à l'élargissement. Autour de ce chantier, est-ce qu'on peut avoir davantage de visibilité? Quelle convergence ou soutien peut-il y avoir entre l'action, le partenariat UE-Maroc vers le soutien à cette stratégie qui est quand même très importante, implique l'intégration de tous les Marocains dans la couverture sociale et sanitaire? Vous, comment vous percevez et surtout comment vous agencez ça avec vos propres projets mis en place? Moi, je crois que c'était une décision, une annonce très importante de la part du Maroc, donc d'ouvrir et poursuivre ce grand chantier
qui est un grand défi, donc, parce que ce n'est pas facilement faire, mais d'autre côté, pour nous, ce n'est pas vraiment une nouveauté non plus. Nous sommes dans ces secteurs depuis longtemps. Donc, par exemple, nous avons appuyé Ahmed depuis, le Ramet depuis, je ne sais plus, presque 10 ans, je crois. On était... Depuis 2004-2005, ça doit être... Oui, non, ça fait longtemps que nous sommes impliqués dans ce domaine-là, parce qu'on a appuyé, accompagné les réformes du système de Ramet, parce que c'était une des champs où on était toujours convaincus, c'est important pour un pays, pour une société. Et donc... on a déjà aussi appuyé, on appuie l'assurance obligatoire maladie parce que de nouveau, ça c'est un signal et un impact si important pour une population. Donc pour nous, c'est un domaine qui pour nous, c'est une, je dirais, une extension naturelle de notre engagement. On a prévu de rester engagé dans ces secteurs, donc ce n'est pas un changement de direction pour nous. Il y avait donc aussi une autre piste, c'est l'établissement du registre central, donc qui est une autre chose qui à notre avis, mérite aussi notre appui, parce que ça, c'est une autre piste qui sera très, très importante pour gérer un système complexe. Et donc, je crois que nous sommes présents dans toutes ces pistes. On a clairement... Vous soutenez depuis plusieurs années les programmes sociaux qui vont justement sur... la réduction des inégalités, l'accès aux services de soins, à l'éducation, à l'emploi. Donc, La qualité, l'accès, la disponibilité et bien sûr aussi d'assurer qu'il y a une distribution territoriale qui est assurée. Donc, protection sociale dans le sens large, c'était dans notre portfolio avant. Et donc, avec les annonces, donc ça a été renforcé et nous sommes déjà en train de discuter comment on peut renforcer et être... Nous regardons toujours quelle est la stratégie du gouvernement, où c'est utile pour nous, où nous avons en tant que partenaire de longue date une valeur ajoutée. On n'a pas l'intention de remplacer donc, des activités et des mesures prises par le gouvernement en tout cas, on ne remplace pas la stratégie ou autre. On est là pour voir comment on peut appuyer et accompagner des processus que nous considérons en tant que crucial pour une société. Parfait. Alors, au terme de notre rencontre, on est réunis aujourd'hui, ça coïncide avec la fête de l'Europe le 9 mai 2021. Ça marque également le 71e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman. C'est un peu plus de 52 ans aussi de relations entre le Maroc et l'Union européenne. Aujourd'hui, vu la lumière de tous ces développements, mais également des défis futurs imposés, que ce soit par les priorités climat, que ce soit par les priorités et ce risque de pandémie qui devient récurrent, l'humanité face à des défis importants. Aujourd'hui, quel est le degré de convergence des priorités entre le Maroc et l'Union européenne? Je pourrais être très bref. Et je dis donc, la convergence, c'est très élevé. C'est à un très haut niveau. Je crois que nous partageons sur une grande partie des défis et aussi des objectifs et des moyens comment on peut... on peut s'attaquer à ces défis une position vraiment partagée. Donc ça, pour nous, c'est déjà une base. Donc, je peux seulement revenir sur la déclaration conjointe. Beaucoup des choses que nous voyons aujourd'hui, que nous discutons aujourd'hui, on a discuté en 2019, et là, d'une façon vraiment visionnaire, je dois dire, d'aujourd'hui, on a réussi à mettre ces espaces déjà sur papier et de les signer entre les deux parties. Et donc, c'est notre guide. Et je dois dire, aujourd'hui encore, c'est vraiment pertinent. C'est pas perdu dans son importance. Ça ne dit pas que nous vivons tous dans un monde qui change tout le temps. Et comme vous le dites, le changement qu'on a vu l'année dernière, peut-être c'est plus important que pendant des années avant. Et nous tous, nous en tant qu'Européens, nous vivons dans un monde qui change tout le temps, le Maroc bien sûr aussi. Donc
L'Union européenne a décidé de lancer un grand dialogue pour l'avenir de l'Europe à ce moment-là et pendant le week-end. Il y aura énormément d'échanges, des forums multipliés à tout niveau pour vraiment aussi prendre les citoyens avec nous. Je crois que c'est une des leçons que nous avons tirées, c'est la communication, c'est très important, expliquer, rester en contact, mais aussi accompagner et assurer que la population, largement les citoyens, puissent suivre le développement et sont au courant des défis et comprennent l'action. Mais aussi pour comprendre mieux quelles sont les attentes, les objectifs de ces citoyens. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe à ce moment-là au niveau européen. On va voir quels résultats. Donc, c'est avec tous les États membres, c'est un processus ouvert. Mais je crois qu'on va discuter dans les années qui viennent comment ça vient peut-être aussi définir encore plus, peut-être autrement, dans certains aspects, l'Union européenne. La relation du voisinage. D'abord, la vision européenne pour les Européennes. Mais je crois qu'une chose qui va rester et qui ne va jamais changer, c'est pas seulement le partenariat que nous avons depuis longtemps, l'histoire que nous partageons, la proximité géographique, la convergence dans des domaines sans arrêt. Et donc, nous avons énormément d'échanges pour pas seulement assurer ce que nous avons déjà réalisé, mais aussi aller de l'avant dans tous les domaines. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. On prévoit un autre conseiller d'association, certainement avant la fin de l'année. Donc, les préparations sont en cours dans le sens que nous faisons aujourd'hui le groundwork, si vous voulez. Donc, les comités, les sous-comités, on va avoir un comité d'association pour mettre tous ensemble. Et en plus, il y a des échanges à tout niveau, très, très régulièrement, avec les partenaires et dans la programmation de l'avenir. Cette consultation s'est aussi élargie. Donc, c'est le secteur privé, c'est le secteur social, ce sont les organisations qui vont impliquer, et bien sûr, partenaires primaires, c'est le gouvernement, les institutions. Nous sommes dans ce processus et je crois que chaque étape va ajouter encore un petit morceau, un petit élément dans cette convergence. Parfait. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle, Madame Claudia Vidaille, que vous êtes ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. Madame Anna Baron, merci beaucoup. Vous êtes représentante de la BEI au Maroc et je vous souhaite également une bonne fête de l'Europe. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Mon plaisir. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.